Sitting right next to me, Mohammed Maharoon, I haven't forgotten you, and I remember you being a very polite host saying that you you don't want to be first, and so we're going to get to you. You're going to be last. So we'll. Meanwhile, though, we're going to give the floor to Renaud Girard. The floor is yours. Merci. Comme il y a une traduction, je vais parler dans ma langue, le français, parce que ça m'a pris beaucoup de peine, une langue à apprendre dans ma jeunesse, et donc je vais essayer de l'utiliser. Oui, le 7 octobre est évidemment un événement à impact majeur. Les causes, les conséquences sont évidemment tout à fait différentes de l'attentat terroriste du 11 septembre. Mais les attaques terroristes du 7 octobre vont avoir, je crois, un impact considérable sur, pas seulement sur la région, mais je pense même sur le monde entier. Donc en fait, si je devais donner un résumé à ma conférence, ce serait un conflit local, un prix mondial. Et ce n'est pas le cas de tous les conflits. Récemment, nous avons eu un conflit dans un territoire à peu près grand comme la Cisjordanie. La Cisjordanie, c'est un département français comme superficie, c'est à peu près 6000 km², qui s'appelle le Haut-Karabakh. Et d'ailleurs, toute la population du Haut-Karabakh a fini par être chassée, l'épuration ethnique, dans un conflit, si on prend le conflit de septembre 2020 et les derniers jours de conflit, qui, en nombre de morts, c'est à peu près ce que ce conflit du 7 octobre a fait. C'est passé complètement comme une lettre à la poste, personne n'en a parlé. Alors, il y a des conflits qui sont encore beaucoup plus sanglants dans le monde, qui se déroule en ce moment, comme le conflit entre les Tigréens, les Érythréens, les Amaras, les Oromos en Éthiopie, dont personne ne parle, et il continue avec un nombre de morts bien supérieur, et de réfugiés bien supérieurs. Pourquoi est-ce qu'on parle tant du conflit israélo-palestinien? D'abord parce que, en fait, dans les relations internationales, le ressenti est beaucoup plus important que la réalité. C'est le ressenti de la réalité qui est important. Et le ressenti, c'est qu'il y a eu un crime abominable en Europe, et les Occidentaux, notamment les Américains, qui n'avaient pas fait grand-chose pour sauver les Juifs, on se souvient de la conférence de l'hôtel Royal à Evian, où ils avaient refusé de prendre les réfugiés juifs d'Allemagne. Les grandes puissances de l'époque, et l'Union soviétique pour d'autres raisons, ont voulu réparer un crime, le crime de la Shoah, par une injustice, ou ce qui a été ressenti par une injustice. Vous me direz que le problème est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'en fait, en Palestine, vous avez deux légitimités qui s'opposent. La légitimité arabe, puisque en 1880, il y avait 500 000 Arabes pour 30 000 Juifs en Palestine, qui était une région ottomane, et la légitimité sioniste, parce que les sionistes, les Juifs venus d'Europe, ils ont construit un État. Avant qu'ils arrivent, Tel Aviv, c'était des marais, c'était plein de moustiques. Ils ont construit cet État. Donc vous avez deux légitimités qui s'opposent, mais le sentiment non seulement des nations arabes, des peuples arabes, je ne parle pas des gouvernants, je parle des populations, et qu'on a réparé un crime par une injustice, mais ça s'étend même aux populations non musulmanes d'autres continents. On a vu des réactions extrêmement fortes, par exemple, en Amérique latine,
à ces images, donc à ressentir en Amérique latine, alors que l'Amérique latine n'a strictement rien à voir avec le problème israélo-palestinien. Alors, ce 7 octobre aura des conséquences d'abord locales, comme tout conflit local, et des conséquences mondiales. Les conséquences locales, ben, c'est très simple. En Israël, on a désormais la preuve que la droite sécuritaire est moins bonne que la gauche progressiste pour protéger les citoyens israéliens. Aucun gouvernement de gauche a eu 1400 citoyens massacrés. L'erreur, elle est idéologique, c'est qu'on a dégarni le front sud, la division du front sud, pour l'envoyer, au lieu de protéger les frontières internationalement reconnues d'Israël, tous ces kibbutz étaient dans des frontières internationalement reconnues d'Israël, on a été envoyé ces soldats israéliens protéger des colonies illégales et des colons qui s'étaient comportés extrêmement mal depuis le début de l'année, tuant plus de 200 Palestiniens avec une sorte de license to kill donné par le gouvernement de droite et d'extrême droite israélien. Donc ça, c'est la preuve. Et évidemment que le gouvernement Netanyahou va devoir payer Netanyahou lui-même pour ne pas avoir protégé ces kibbutz, qui étaient d'ailleurs peuplés plutôt de gens pacifistes et qui voulaient faire la paix avec les Palestiniens. Du côté du Hamas, il y aura aussi un problème qu'on n'a pas tout à fait souligné, c'est que le ressenti dans les populations arabes, autant, c'est vrai que dans les réseaux sociaux, on a salué l'audace militaire du Hamas d'avoir utilisé ces petits hélicoptères, etc., mais il y a quand même eu un très grand problème d'indiscipline de crimes contre des bébés, contre des vieillards, etc. Et tous les mouvements qui se prétendent être des mouvements de résistance ne se sont pas, dans l'histoire du Moyen-Orient, comportés de la sorte. J'ai assisté personnellement, après le retrait israélien de 2000, qui n'avait pas été annoncé, où les Israéliens ont trahi leurs alliés chrétiens du Sud, l'armée Lahad, à la prise de ce territoire par le Hezbollah. Pas une gifle, pas un vol, pas un viol, la discipline. Et cette discipline dont a fait preuve le Hezbollah, il y a quelques officiers de l'armée Lahad qui ont été, mais ils ont pas été lynchés, ils ont été apportés à la justice. Et je pense que le Hamas, il y aura des conséquences pour le Hamas dans cette incroyable indiscipline des soldats qui ont commis toutes ces horreurs. Alors ensuite, les conséquences mondiales. Eh bien évidemment, nous avons, et ça a été dit par Dorothée, une polarisation accrue entre l'Occident et le Sud global disant deux poids, deux mesures. Parce que le ressenti, c'est que on a entendu les Occidentaux donner énormément de leçons, notamment lors de la destruction de Mariupol à la Russie, à Vladimir Poutine. Et là, l'ensemble, pas seulement les musulmans du monde entier, qui se sont ralliés derrière la bannière du Hamas, mais aussi en Amérique latine, en Afrique, les gens disent, mais les bombes américaines à Gaza font exactement la même chose. C'est Mariupol qu'on voit qui se fait. Donc c'était un cadeau incroyable qui a été fait à Poutine. Autre conséquence économique, le Premier ministre Netanyahou avait annoncé, vous vous souvenez, à la tribune des Nations Unies, la constitution d'un nouveau corridor économique l'Inde, les Émirats, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, Israël, l'Italie, qui devait concurrencer
donc un autre projet de route de la soie, Chine, Iran, Irak, Syrie, l'attaquer, la Grèce. Je pense que aujourd'hui, le nouveau corridor annoncé par Netanyahou a vraiment, comme les accords d'Abraham d'ailleurs, a vraiment du plomb dans l'aile. Alors, pour conclure, on peut dire qu'il y a quand même une bonne nouvelle à tout ça, c'est qu'il y a un consensus mondial, peut-être pas à l'intérieur de la société israélienne, mais même dans la société israélienne, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord, qu'il faut régler une fois pour toutes le problème palestinien. Vous l'avez dit, c'est tout à fait faux de dire que c'est impossible à faire. C'est difficile, mais c'est tout à fait possible. Même il suffit de regarder les accords, les négociations de Tabac. Bien sûr qu'on peut avoir Jérusalem-Est comme capitale d'un État palestinien, d'ailleurs parce qu'il suffit de se promener à la porte de Damas, il n'y a que des Arabes qui habitent là. Et il y a des échanges de territoires qui sont possibles pour que l'État palestinien fasse les 22% de la Palestine mandataire qui ont été acceptés à Alger par Arafat en 1988. Mais comme l'a dit Eli Barnavi, qui était un historien israélien, qui est l'ancien ambassadeur d'Israël à Paris, en fait, Israël, pour son bien, doit se voir imposer une solution, parce qu'Israël est trop fort, et donc seule une conférence internationale peut imposer une solution à Israël. Cette conférence internationale n'est pas très difficile à organiser, parce qu'en fait, c'est un sujet où vous avez une convergence. Les Américains, les Russes, les Chinois, les Français, les Anglais, le plan saoudien, les Arabes, ont à peu près la même idée, en fait. Le problème qu'on a, c'est que ces grands acteurs internationaux sont d'accord sur la solution pour le problème israélo-palestinien, mais s'étripent par ailleurs sur d'autres sujets. Alors, est-ce que la réunion est possible? C'est une question de technique. We're going to have to, okay. to leave it here. Je finis là. C'est une question de technique diplomatique. Yeah. Les gens de la WPC Hello? Sont les meilleurs, et donc j'attends vos suggestions. Thank you very much. I appreciate your observations there, which gave us a sense of the global implications of this conflict, that it's not just an Israeli-Palestinian conflict, it's not just a regional conflict. There are the stakeholders in this go far beyond the region, and the repercussions are indeed being felt all around the world. There's no doubt about that. We feel it in Western Europe, where I live. It's being felt in North America. It's being felt in Latin America, as you pointed out, in many different parts of the world. So there's a lot that is dependent on what happens next.